Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre une chorégraphie qui s'appelle Sweet Island de Gary O'Reilly. Et merci à lui puisqu'il a choisi un morceau qui porte le même nom, Sweet Island, d'un groupe français qui s'appelle Green Lads. La chorégraphie fait 64 temps, 4 murs, de niveau intermédiaire facile parce qu'on va retrouver plusieurs fois la même section de pas. Et n'oublions pas qu'on va avoir un petit tag de 8 ans. C'est parti! Première section, on va commencer en faisant un stomp droit croisé devant le pied gauche. On met bien le poids du corps sur le pied droit, on fait une pause sur le deuxième temps, et sur le E3 et 4, on va se déplacer un tout petit peu vers la gauche seulement. Un petit pas à gauche avec le pied gauche, on garde le poids du corps uniquement sur la plante du pied, on croise à nouveau le pied droit devant le pied gauche, encore une fois, petit pas à gauche avec le pied gauche, et on croise le pied droit devant le pied gauche. On refait juste ces pas-là pour l'instant, ça va nous faire stomp, une pause, et cross, rock step à gauche. On revient sur le pied droit, behind side cross sur 7 et 8. Et encore, après le 8, un petit pas à droite avec le pied droit. On met le poids du corps uniquement sur la plante du pied. On refait pour l'instant tout ça. Ça nous donne le stomp, une pause et cross, side, rock, derrière, côté, devant et. Encore une fois avec les comptes, 7 et 8 et 1, 2 et 3 et 4, 5. 6, 7 et 8 et on refait quasiment la même chose de l'autre côté. Stomp gauche devant le pied droit, une pause, un petit pas à droite, on croise, un petit pas à droite, on croise, rock step à droite, on revient sur le pied gauche et attention cette fois-ci, au lieu de faire behind side cross, on va faire derrière, côté et un pas en avant. Et c'est tout, on reste sur le huitième temps, sur le pied droit en avant. On refait cette deuxième section, le stomp sur 1, une pause sur le 2, et 3 et 4, rock step à droite sur le 5, on revient sur le 6, 7 et 8 en avant. Encore une petite fois, 7 et 8 et 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, les deux sections déjà. 7 et 8 et 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et 1. 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On continue, rock step en avant gauche, 1 et sur le 2, on revient sur le pied droit. 3 et 4, triple step sur place, donc avec le pied gauche, avec un tour complet à gauche, gauche, droite, gauche. On a le poids du corps sur le pied gauche, rock step en avant droit cette fois-ci, on revient sur le pied gauche et là directement demi-tour, pied droit en avant et pied gauche en avant. On refait cette section, rock step en avant gauche sur 1, 2, triple, 3 et 4, rock step en avant droit sur 5, sur le 6 on revient, demi-tour, droite, gauche. Une dernière fois, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on refait ça du début, 6, 7, 8, 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. On a le poids du corps sur le pied gauche et attention, directement sur le et 1, on va faire extérieur, extérieur. Donc un pas à droite avec le pied droit, un pas à gauche avec le pied gauche sur et 1. Sur le 2, on recule le pied droit. 3, 4, rock step en arrière gauche. On revient sur le pied droit, 5, 6, step quart de tour, un pas en avant pied gauche, quart de tour à droite, on remet le poids du corps sur le pied droit, et sur 7 et 8, cross triple, on croise le pied gauche devant le pied droit, un petit pas à droite, et on croise à nouveau le pied gauche devant le pied droit. On refait cette section-là, on avait le poids du corps sur le pied gauche, et on fait out, out directement, droite, gauche, 6, 7, 8, out, out, pied droit en arrière, rock step arrière gauche, on revient sur le pied droit, step, quart de tour à droite et cross triple. Encore une petite fois, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Du début, 6, 7, 8, stomp, pause et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, rock, step, 3 et 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Section suivante, pointe à droite, une pause. Et on ramène, talon gauche en avant, on ramène le pied gauche, talon droit en avant, on ramène, et la même chose de l'autre côté. Pointe gauche à gauche,
une pause. On ramène talon droit en avant, on ramène talon gauche en avant et on ramène. Et ça nous fait nos 8 ans, on refait ça, ça nous donne pointe, pause et talon et pointe, pause et talon et. Avec les comptes cette fois-ci, 7, 8, 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8 et. On refait ça du début. 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8 et. Sélection suivante, rock step en avant droit. On revient sur le pied gauche, triple step en arrière droit avec un demi-tour à droite, donc quart de tour, on ramène et quart de tour. Step quart de tour, un pas en avant pied gauche, quart de tour à droite, on remet le poids du corps sur le pied droit. Et cross triple, gauche, donc vers la droite, on croise le pied gauche devant le pied droit, un pas à droite et on croise le pied gauche devant le pied droit. On refait cette section-là. Rock step en avant droit, 1, 2, triple, demi-tour, le step quart de tour et le cross triple. Encore une fois, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On va juste reprendre les deux dernières sections qu'on vient d'apprendre, les pointes et les heel switches, et cette dernière section qu'on vient de rajouter. Juste ça, 6, 7, 8, 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, maintenant on reprend tout ça du début. 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Les deux sections qu'on vient de faire, on va refaire quasiment la même chose. On y va directement, donc cette fois-ci on est tourné face à 6 heures, pointe, pause et talon et pointe, pause et talon et rock, step, triple turn, step, turn, et on s'arrête là puisqu'il n'y a que les deux derniers temps qui vont changer. Au lieu de faire 7 et 8 cross triple, comme c'est la fin de la danse, on va faire 7, on croise, et 8, rock step à droite, on revient sur le pied gauche. Et comme ça, on a le poids de cœur sur le pied gauche, la chorégraphie est terminée, et on peut reprendre, stomp droit, croisé devant le pied gauche, et on est vers 3 heures. Donc simplement, les derniers pas, c'était notre step quart de tour, on croise, side rock. Donc attention, le side rock se fait sur E8, donc il sera assez rapide. On refait juste encore une fois le step quart de tour, donc step quart de tour, cross side rock, stomp, pause, etc. On va reprendre les deux dernières sections de la chorégraphie, donc cette fois-ci on est vers 6 heures, et on reprend pointe et talon, talon. 6, 7, 8, 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8 et rock, step, triple turn, step, turn, cross side rock, stomp, pause et cross. Allez, on reprend le premier mur en entier. 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et en avant, rock, step, triple step, rock, step, demi-droite, gauche, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8 et rock, step, triple turn, 5, 6, cross triple, 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8 et 1, 2, triple step, 5, 6, 7 et 8, stomp, pause et cross, maintenant deuxième mur, troisième, quatrième sans s'arrêter, 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8 et 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et 1. 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, stomp, et on reprend du début. Notre tag se trouve après le troisième mur, donc face à 9h, et il dure 8 ans simplement. Si vous l'avez remarqué, on commence en croisant donc le pied droit devant le pied gauche avec notre stomp, et du coup on se tourne légèrement en diagonale. Et bien là on va faire la même chose, on se tourne d'un huitième de tour, donc on va se retrouver en diagonale, et on fait un rocking chair. Rock step en avant droit, on revient sur le pied gauche, rock step arrière droit, on revient sur le pied gauche, ça nous fait déjà 4 temps, et les 4 temps suivants, on va faire 7 huitièmes de tour vers la droite, tout ça pour revenir face à 6 heures surtout. Donc on marche en faisant un quart de tour, encore on marche un quart de tour, on marche un quart de tour et on marche un huitième de tour. Et avec les pas, c'est donc pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, le tag est terminé et on peut reprendre du début, stomp droit devant le pied gauche, vers 6 heures. On refait ce tag simplement, 6, 7, 8, rock, step, quart, quart, huitième, stomp, pause et cross. Maintenant, on va essayer de l'enchaîner en faisant notre troisième mur en entier. Alors attention, parce qu'au niveau du troisième mur, au milieu du troisième mur, le tempo va chuter considérablement, d'un coup. Donc il va falloir vraiment suivre la musique. On va essayer de le faire plus ou moins sans la musique, mais évidemment, avec la musique, on va vraiment pouvoir le faire correctement. On essaye ensemble. Donc notre troisième mur, au milieu du troisième mur, c'est-à-dire exactement à la deuxième fois où on fait les pointes et les heel et les talons, c'est ici que le tempo chute d'un coup et à la fin on rajoute notre tag et au fur et à mesure le tempo va revenir à sa vitesse initiale à 120 bpm. On essaye le troisième mur, la chute de tempo, le tag et on revient ici. 6, 7, 8, 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et 1. 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et on est reparti avec le bon tempo. J'espère que vous aurez compris les nuances de tempo. Évidemment, ce n'était pas exact, mais ça vous permet de vous faire déjà une idée. Du coup, on a déjà tout vu, puisqu'on a vu la chorégraphie en entier, on a vu le tag et la chute de tempo. On est donc prêt à mettre tout ça en musique. Cliquez sur le premier lien dans la description. On se retrouve tout de suite.